Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Exal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite présentation de ressources pack. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le trailer pack, donc voilà, donc le pack de texture de Exa. Alors, qui est cet Exa? Voilà, vous avez été pas mal à m'en parler. Vous avez été pas mal également à vouloir que je présente ce pack de texture, même s'il y a entre guillemets bah, sur sa chaîne, forcément. Donc, du coup, voilà, donc Exa est un youtubeur, donc un youtubeur allemand, voilà. Donc, du coup, voilà hein, pour tous ceux qui m'avaient demandé si je m'étais inspiré de son pseudo ou quoi, non, pas du tout. Faut savoir que j'avais mon pseudo avant que lui-même crée sa chaîne YouTube, donc du coup, voilà, lui c'est sûrement autre chose. Voilà, moi c'est juste voilà pour ceux qui se demandaient la signification de mon pseudo. C'est juste parce que voilà, je suis un grand fan de Pokémon, de licence Pokémon, et qu'il y a un Pokémon voilà qui s'appelle Exagite tout simplement. Donc j'ai décidé de juste prendre le Exa et de mettre le J de côté. Voilà. Donc du coup, je vais vous présenter ce petit pack de texture vite fait. Voilà quoi, vous donner mon avis comme d'habitude, bien évidemment. Et c'est un pack de texture assez cool, franchement. Voilà, donc c'est pour ça également que je pense que vous l'avez demandé. C'est parce que voilà, j'utilise pendant mes streams. Enfin bref. Tout ça. Donc voilà, donc on va déjà hop passer bah, directement au bloc pardon. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu de petits machins, donc présentation dans ce pack qui seront pas toutes les semaines hein, finalement. Donc voilà, minerai d'or, minerai de redstone, de émeraude et de fer, voilà, et de diamants bien évidemment, qui sont vraiment très très jolis. Également les diamants, donc qui sont voilà comme ça, donc ils sont plutôt cool. Hop, donc on va passer maintenant aux épées, les épées que je suis vraiment un énorme fan, franchement c'est vraiment des épées que j'adore. Chez Stivix également, on a un peu des épées comme ça dans son pack de texture. Mais ouais, franchement, c'est juste... franchement, j'adore ces épées, je saurais pas vous dire pourquoi exactement. Mais enfin voilà quoi, ouais non, franchement c'est vraiment des épées que je kiffe. Surtout celle en diem, franchement, je me ferai des épées en diem juste pour ça quoi. Donc voilà, hop, on va prendre maintenant ça et ça. Donc pour l'arc également, ouais, c'est un arc que j'adore. Franchement, c'est un bail de texture que j'adore. Franchement, j'adore. Il y a juste quelque chose qui pour moi est un peu moyen, quoi, disons-le. Mais voilà, donc pour l'arc, hein, avec de magnifiques particules que j'ai dû désactiver. Détail, pas du tout dans ça, animation. Ouais voilà, donc avec des particules comme ça. La canne à pêche donc qui est comme ça, qui est assez cool franchement. Le feu qui est bleu il me semble de mémoire. Non voilà, qui est un peu avec un dégradé comme ça. Underpearl comme ça, un peu basé comme pour le diamant, enfin le minerai du diamant. Voilà, un peu comme ça dans ce genre là. Hop, les potions, donc voilà, avec ce genre de particules. Saut de lave, saut d'eau bien évidemment. Et puis voilà, il y a le fire, je sais plus trop comment on dit, le fire petit, voilà, on va appeler ça comme ça tout simplement. Et puis voilà, hop, j'aimerais bien ne pas crever, voilà, parfait. Hop, game mode 1, hop, on va casser ça. Donc du coup voilà, l'eau ouais aussi, donc on voit pas trop à travers, c'est peut-être un seul défaut que je dirais. À ce propos quoi. On va passer maintenant donc ouais au petit PNJ. Prendre un PNJ tout simplement, on va mettre ça, voilà. Hop, donc voilà, donc les coups de sharpness normal et les coups de sharpness plus critique, voilà, qui sont comme ça. Hop, voilà. Tout simplement, hop, je vais juste voir 2 secondes, voilà, pourquoi la musique. Bon, on va remet la même, Écoutez, c'est la nouvelle musique d'NCS, voilà, pour ceux qui se demandaient. Hop, voilà, on met ça là. Donc voilà, vous voyez également pour les pommes. Alors bon, la pomme de note, donc est comme ça, la pomme en or comme ça. Et franchement, je la trouve super, super stylée. En ce moment, il y a plusieurs pommes qui sont vraiment stylées. Il y a, vous savez, celle un peu à la Nimboso. Enfin bref, vous voyez quelle pomme je pense, je parle plutôt. Et donc voilà. Donc voilà. Hop, on va activer ça. Alors attention, on va déjà baisser le son. Je suis un peu malade également. Donc voilà. L'armure en cuir, l'armure en or, l'armure en fer qui est vraiment dark, c'est vraiment super, je l'adore. Pas l'armure en fer, l'armure en mail, excusez-moi. L'armure en fer comme ça, un petit peu plus foncé quand même que l'armure en fer normale. Et l'armure en diamant comme ceci, alors je sais pas de quoi il s'est inspiré, mais franchement je la trouve énorme. Et l'armure en mail, voilà. Franchement je me ferais des armures en mail juste pour ça, enfin...
Je sais pas, je l'adore, franchement, je sais même pas si je l'échangerai pas avec celle en fer. Enfin bref, écoutez, n'hésitez pas à me dire quelle armure vous préférez, tout simplement. Donc du coup, voilà, on va aller dehors. La nuit, bien évidemment, il faut augmenter, hop, voilà, la petite render. Wow, il y a le petit freeze. Donc voilà, render distance, hop, la nuit et le jour. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc du coup, voilà. Ouais, aussi pour... what the fuck, je suis où ici? Ok, bon, c'est juste... Ouais, ok, d'accord, oui. Bon, c'est juste que ça a totalement bugué. Oh mon dieu. Ça aime pas quand on change de... Hein? Ouais, ouais voilà, hein, vous voyez de quoi je parle. Bref, ouais, on va casser... On peut pas. Bon, on a cassé le jeu. On va décorer au co, voilà, comme ça je vous fais voir l'écran d'accueil. Voilà, c'est pas du tout prévu, mais bon, ce n'est pas bien grave. En tout cas, voilà. Ah, d'accord, j'étais ici, très bien. Donc, voilà, donc un grand merci à vous, en tout cas, parce que bah, cette série, c'est quand même quelque chose qui vous plaît toujours, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez ouf à ce niveau-là. Donc, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos ressources pack. Et puis, voilà, le seul petit bémol que je disais, ce sont juste les blogs, en fait. Je les trouve vraiment, je sais pas, un peu bizarres et qui sont pas franchement en rapport avec. Avec le truc de base, donc je pense en fait prendre les blocs du Origin Pack et les incruster là-dedans. Voilà, en tout cas, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce vert. Bye tout le monde!